Pour la première édition de ces fêtes de l'étang, globalement, ça s'est bien passé. Là, pour cet événement de clôture, ce qu'on a souhaité, c'est que ce soit un événement populaire. Donc, les villes ont mis en place plein d'animations pour que les gens viennent à la plage en fin de journée. Et à 21h08, très précise, donc il fera nuit partout, les 5 villes participantes déclencheront une illumination de l'étang. C'est-à-dire que tous les gens auront pu apporter des dispositifs lumineux, soit simplement leur téléphone, soit toute forme de lampes portables, de projecteurs qu'ils pourront avoir envie d'emmener. Et on aura un déclenchement simultané sur les 5 villes pour que tous les gens allument leur lumière ensemble.